Alter Radio, l'IFE. C'est eux. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou nal pi loin. Dine pa ap travay chak jou pipis pou n ka jwenn pi bon servis tout patou nan tout peyi ya. Pote kole, peye bod wad lon nou ale, epi pose. Sete yon mesaj dine pa a tout patnel yo. Tichèze ba. Tichèze ba. Yon magazine analyse actualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze ba. Tichèze ba sou Alter Radio. Ben salutasyon pou nou tout se Godson Pierre ki nan mi kouan. Mèsi pou tèt wap koute nou sou 106.1 FM sou alterradio.org avèk lot platform internet. Tichèze ba se yon radevou nou pran avèk ou chak samdi, dimanche ak mèrkwèdi pou analize aktualite a. Ansasina e prezident Jovenel Moïse, la Kaili nan Pèlerin 5, bien bonè 7 juyè a, se yon krim ki fè moun pose an pil kestyon, yon ban kestyon ki rete san repons, bien entendu, malgre dilijans la polis montre nan premier faz anket la pandan nan Etasuni, an Kolombi, struktu sekurite yo, mobilize tou pou pote kole. Tout otan anket la avanse, za fe sa asemble pi plus avek yon chodye spageti. Nou mem nou chita sou konteks la pou analize divers dimensyon evenman terib sa epi gade perspektiv posible. Nou invite doktor nan sociologi Robertson Edouard, li se profeseur nan Université Laval, Québec, Canada, li ekri plizye liv sou zafè violans an Haïti, parmi yo, violans e ordre sosyal an Haïti. Bienveni sou Alter Radio. Rale Tichèze Ba. Professeur Edouard, bienvenue sous antenne Alter Radio, bienvenue sous Tichèze Ba. Merci pour l'invitation, son plaisir et son honneur pour moi. Et là, on circonstance qui est très dure pour Haïti, je veux dire, même si ou loin, ou vibrer certainement avec Haïti et ou vivre li avèk nou, e mwen wè refleksyon kou fè sou sanap viv an Haïti je diyan, e pou se pa jis un prezident ke yo tue, yo asasine, se symbol l'Etat mèm ki tombe. Oui, bon, en fèt, l'Etat a tombe depi lontan. Gan pi le fok a fèt pou akèmbe li nan se wòm. Gampi l'effort ki ta fèd pou evite ke sa paret trop. Men asasina prezident, tan koum ekre l'antitext mwen, bien sûr, ou delà de dimensyon solanel li, li pa adoué pieboa ki kache foréa. E foréa se ki sa liye, se ke gon politik la mou ki ap aplike nan peyi d'Haïti depi lontan, e prezident se jist denye viktim, e jodi alan ma mem gadi gen se denye viktim, puisque politik lan mwa kontinu ap fe viktim nan peyi ya. Donk li se youn nan denye viktim politik lan mwa sa. E alon, ki sa ou memoure le politik lan mwa? Ben, politik lan mwa, se ensemble de se orientasyon politik publik yo, d'abord pou pa poteje bezon, donk lontan gen de moun ki te gen iluzyon ki yo te poteje, je di a lan moun prezident montre ke kelke swa koto ye, an realite, ou pa al abri. Politik lan moun son politik ki pa poteje la vi peson, ki banalize la vi moun, e ki banalize jiska kadav moun. Piske menm lo fin moui, kadav ou ka kontinye profane. Politik lan mwa son politik kote depi nan 20 maman, on ti bebe pa genye absolument oken form de proteksyon jiska sko tounen ti lepe ou bon tounen ti mami
ou toujours exposé à même qualité violence qui gagne dans société a quitte ces violences matérielles quitte ces violences psychologiques et dernière dimension politique là moi c'est politique qui appliquée dans tout ça au monde qui relé insécurité on a vivre dans pays d'Haïti pour majorité population son insécurité alimentaire côté gagne des monde qui moins grand roue pour majorité population son insécurité routière côté route yo pas nécessairement exempt de risque, danger, menace. Politique là moi son politique côté toute dimension la vie moun en Haïti exposé à risque, danger, menace pour les monde. Et puisqu'on relè l'on politique, cela veut dire que li organisé comme tel, gen yon mise en place qui fait. Donc c'est pas par hasard que nous trouvons nous là. On politique pas nécessairement explicite. Donc l'État a un ensemble de responsabilités. J'en agis par rapport à responsabilité yo, yo il est le politique. Ça veut dire si il y a des actions que l'État prend pour les aller dans une direction, c'est un politique. Qu'on sait tout si l'État choisit par exemple prendre action pour corriger le tout, son politique. Et ça fait ou qu'on parle de action publique ou de politique publique là dans dimension positive li, l'elle agit avec la dimension négative li, l'elle pas agit. À travers tout ça, bien que nous retournions sous aspect ça encore, puisque il faudra que nous parlions de violence qui est au cœur de tout ça qui vit en Haïti. Et même et si ma penchée directement sous ligne, nous avons dit, et comme nous avons parlé de assassinat Jovenel Moïse, là, avec photo qui circulait, avec cliché scanner qui circulait. Nous avons un niveau de violence qui c'est un niveau de violence inouï et n'a rien pour nous reparler de ça encore parce que c'est pas juste un assassinat le n'a gardé lui mais maintenant pour rester la question politique là à certains moments le parler de symbole qui effondré en fait ou même ou ramener ou souligner pour nous toute une faillite de l'État c'est-à-dire les trois pouvoirs d'État, l'économie et tout cadre social la net qui crasait. Comment que nous arrivons là? Bon, c'est pour moi qui commence aujourd'hui. À son bagage, j'aime te dire qui gagne longtemps depuis la fèchimel. Depuis les nous fin prendre l'indépendance, un ensemble de blocages qui fait que l'État nous a pratiquement développé presque toujours un hein, conflit avec nation hein, donc reste société hein. Et donc du coup on a une situation côté l'État tant pour l'État renforcé tant pour renforcer dans le sens capacité pour répondre à demande aspiration population que le représenter hein, les plus rentrer dans logique de répression pour qui ça parce que l'État ça capture par un petit groupe monde qui voulait que l'État s'a servi ou plutôt qu'elle servit majorité de population, vous m'avez dit toute population. Ça, c'est le premier côté à la commencer. Et donc, on a un conflit qui n'est pas jamais fini et que chaque fois, conflit en première dimension, il y a un morceau dans l'État qui allait. Bah, ça a été mené à une catastrophe qui tapera le ban occupation que nous avons gagné en 1915. C'est même catastrophe-là qui fait que nous avons des présidents avant. Qui était même soit avec président Jovenel Moïse qui mourit et qui était, je me suis pas rappelé, un président qui était totalement contesté, côté toute force vive société a été dit que il pas la même. Deuxième balle, pour montrer au mépris qui gagne pour majorité population, au bon président qui passait 4 ans, côté toute institution, toute enfin sa autorité, toute force vive nation levé pour le dire il pas vle Jean président m'énerver bac pays hein? Et à un moment donné lui dit il vle président ça aller ils ont pas arrivé à voir l'aller et puis comme ça 28 nèg évidemment avec complicité la caille qui arrivé avec une facilité qu'on ne pas comprendre on était président ça terre alors comment pays comment toute une population, comment des millions de monde prennent la rue pour dire pas bon président, pas arriver à mettre la tête, et puis pour 28 monde comme ça qui arrive avec une complicité en dedans votre bête là, arriver à mettre la tête comme ça. Donc,
tout ça montre mépris pour maman ou bien majorité population. Ça montre tout qui ça la force qu'a fait, il a parlé de rapport de force, c'est dans ça que nous y est. Oui, mais rapport de force, là, tant qu'on me dit, de pour y venir à un niveau comme si pour le passer dans une dimension matérielle, les sorties, ça c'est dans l'expression pouvoir, oui, les sorties de autorité, quand tu contraint là, doit sortir de l'intérieur, tant qu'on leur respecte la loi comme citoyen, c'est parce qu'on a un commandement en don qui doit pour respecter la loi. Parce que commandement en don, l'on dit pour son bon citoyen, il faut respecter la loi. Mais de pour nos situations, quand il faut qu'on chef d'aide pour faut respecter la loi, l'autorité a commencé à perdre du poids. Et là, ça va rentrer dans le pouvoir qui va l'obliger répressif. Donc, rapport de force, à mon sens, soit garde seulement en termes matériels, soit garde seulement en termes militaires, alors tout à fait raison. C'est le type de rapport de force ça, qui rivait guérison de président. Et m'a souligné, pas de régime, non. Ouais. Deux présidents. Mais qu'on y a une posé une question. Est-ce que c'est ça le rapport de force qui gagne? Puisque, d'un point de vue politique, président est perdu principale base sociale. Ça veut dire, majorité monde dans la société a été viré au Bali parce que tu dis, j'en la mène bak pays, li pas bon. Bien que, en fait, et jusqu'à présent, il y a monde qui a dit ça toujours, il dit que monsieur était en face d'un petit oligarchie et c'est eux-mêmes qui pas vle projet que le tap vin avec eux, question de électricité, question de l'eau, question de route, que le dédit, l'a fait, etc. Et pour une série de monde qui a analysé, bon, certainement proche ou pas, il y a dit que c'est ça, eux, que t'es problème, non. Comme quoi, il osait défier, et un establishment, et voilà, côté, ça menait. Bon, son réflexion qui est limitée, c'est pas parce que et un pouvoir à gouverner contre l'oligarchie qui fait les poupées. et en pile réflexion qui fait déjà dans société, notamment dans le domaine économique pays, pour montrer que tu gagnes une bataille pour gagner un grand remplacement. Ça veut dire que les gens qui t'habitent à soucer, qui t'habitent à peser soucer, ils ont envie de remplacer par un autre groupe de gens pour venir peser soucer tout. Mais le système peser soucer n'a pas déjà remis en question. Or, précisément, c'est le système baisé social qui représentait le plus gros danger pour la population. C'est le système baisé social qui empêchait la population de parier accès à services de base. Parce que, en entendant, bon, résoudre problème route, résoudre problème électricité, résoudre problème énergétique paysan, patapral fait en sorte que Timounio ait un meilleur service scolaire. Patapral fait que Mounio joigne de meilleurs soins de santé. Patapral fait que Mounio suspende mourir grand goût. Pas après le fait que banalisation la vie moun te continue d'ailleurs. Puis gros exemple que nous gagnons, c'est que c'est sous même régime ça. Ouais, moun a mouri bon ensemble de massacres qu'a fait par-ci par-là. Et pendant massacre qu'a fait, ou pas gagné, même un minimum de compassion pour victime, pas gagné un minimum de compassion dans le traitement que au bail famille victime ça, et voir pour ta gagné un minimum de réparation. Nous, nos situations, côté, et c'est bah, qui est plus grave, j'ai ce bon rapport particulier à cadavre, j'ai ce bon rapport particulier à rite funéraire, mais nous trouvons dans une situation côté des gens qui mourent, bêtes à manger ou dans la rue, famille ou pas qu'elle prend quoi. C'est dans une situation ça que nous sommes. Donc, on l'état, ou bon pouvoir qui est en place, et qui n'a pas aucune réponse à des problèmes comme ça. On l'état qui est en place, côté des gens qui sont victimes, c'est boucané ou nan fou pour pas jouer une tration et qui pas fait rien pour résoudre problème ça. Nous pas qu'à dire, son l'état qui a défendu la population. Pendant 10 ans, petite parenthèse, qui rapport possible entre phénomène ça qui passait dans le quartier populaire ou moun yo, enfin, yo souffri de yo et qualité la mort ça que Jovenel Moïse prend et puis ça a fait du cadavre là tout et après, avec ça, n'a pas gardé sur les réseaux sociaux. Mais c'est exactement ça que moi qui fait me parler d'un politique la mort. L'aime parler d'un politique la mort, c'est pas expression volonté chef d'État. L'aime parler de politique la mort, je voulais parler d'une organisation sociale qui gagne un ensemble de groupes d'intérêt qui dirige action publique là non sens. Et politique la mort ça qui banalise corps, qui banalise la vie, politique la mort ça qui profane cadavre,
C'est même politique ça qui applique contre lui-même. Le lap mouri, on va pas chercher un autre modèle pour t'appliquer pour lui. Ah, modèle. Passé, non, mais pas précisément. Mm-hmm. C'est un modèle qui est un cadeau en développement. Son modèle que il y a pas amélioré dans sens négatif terme dans un pays là, son modèle yo ouais, c'est un pour m'dagou un laboratoire qui chaque fois a besoin qui gens pour augmenter dans couyauté là, puisque résultat qui après tenant c'est la terreur que tout le monde paie pour personne pas les vêtir droite yo contre système pesé sous ça qui mener la mort contre système pesé sous ça qui veut que toute richesse ça ajoigne un petit groupe monde et puis ratio ferme bouche ou valer. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais ça a décrit là, c'est un bail extrêmement grave, c'est ça n'a qu'à rele une déshumanisation accélérée ou bien gen moun n'a fait surtout moun qui passe la science humaine, rele ça une démonisation qui a fait la société. Oui, bon, cette tentative là mais faut nous prudent quand on dit ça parce que c'est pas tout le monde qui rentre dans la logique ça. Pour le moment on a dit c'est courant dominant dans le sens que yo gagne des bras matériels, par bras matériels yo c'est d'abord tout ça monde qui a metté comme bavure la police fait, comme violence la police fait, notamment le yo a opéré dans une série de milieux difficiles. Mais principal bras bagaille ça, c'est nouveau phénomène que nous gala kay nous que aurait les gangs là. Phénomène ça justement li pousser plus loin limite qui pas de jambe qu'on pousser dans façon ou traitons adversaire, dans façon ou traitons monde qu'on considère tant qu'un ennemi. Et là, c'est élimination de tout ça monde ça a été gagné de monde la kay li. Dans traitement que au bail col, dans façon yo touyel et une façon de disposer de col. On l'autre bague encore, c'est que vingt des croyances qui mélangent à bail là, qui viennent encore plus compliqué. Des croyances qui fait quoi que de des bagages au café avec cadavre là. Donc puisque croyances là sont bagages qui motivé comportement moun, en prévention, en pile dans groupe ça yo disposer de cadavre non façon pour yo qu'à protéger tête yo de tout revanche de toute vendetta que famille victime n'a pas essayé de faire à partir de cadavres. Et c'est ça qui fait solution, c'est une solution qui est simple. Alors, on parle de phénomènes comme si on prend un organe ou bien forme un cœur ou bien prend un crâne, etc. Donc, Exactement. Bon paquet. Et je ne sais pas quoi est nécessaire nous-mêmes, et c'est là que c'est une responsabilité pour tout le monde. Qui comprennent qui genre diffusion information qu'a vinn tourner en école du crime, gè des types d'information, li préférable que nous dit l'essentiel même pas arriver dans des détails qui pral bay impression que c'est nous-mêmes tout n'a participé dans ça que moi remet relé ou pornographie de la violence. Côté quoi exposer violence là dans toutes les deux li pour moi elle pas nécessaire. Il suffit seulement que publiquement nous évoquer bagay ça, conséquence li, enjeu qui accompagne li, et puis tout de suite pour nous chercher qui solution possible et imaginable au monde qui a joué contre ça. Donc, tout ça entre dans le contexte là, que nous avons essayé de comprendre là. Donc, en Haïti, je dis à un spectacle de la violence. Ah oui. Et ou du moins, si tu me dis, violence là, l'équité niveau symbolique, l'équité qu'on a opéré, hein? Niveau symbolique là, c'est intériorisation qu'on fait de statut d'inférieur. Côté, on fit presque trouver le normal que patron abusait de lui pour le bali en promotion. Côté, on moun accepte humiliation patron parce qu'il est chef. Côté, on moun accepte un ensemble de traitements qui pas normal pour qu'arriver joindre atteindre objectif. Intériorisation ça, c'est ça relève violence symbolique là. Côté, moun ne fait presque normaliser pratique là. Côté moun yo trouvé c'est normal, c'est pour sauver un petit moun nous prendre comme reste avec et pour faire tourner marche pied ou côté que ou abuser de quoi de tout li sous prétexte que ou retirer dans la misère et puis ou payer en scolarité pour petit moun ça. Donc intériorisation tout bas ça et normalisation, c'était ça qui était principale forme violence qui était qu'on a opéré. Côté on trouve on pas trop trouver normal pour payer un monde au comme qu'on comprend bien que monde n'a pas aucun moyen
pour vivre et survivre avec comme groupe là. Tout ça participer rapport patron avec travail. Tout ça participer de violence symbolique là. Quand y a nous venons côté violence symbolique ça est pour lui pas là c'est vite. Machine à tuer hein, faut que l'accélérer. Qu'on y a passé de violence symbolique ça à un plein régime de violence matérielle et de violence physique. Côté on nègre ou un groupe nègre qui ont fait crémen et que ont estimé que fils a pas camarade yo yo disposé de col yo kidnappé yo violé. Côté un monde qui estimé que comme qu'on gagne ou bien machine qu'on gagne ou bien travail qu'on gagne c'est lui qui t'a doué en place ni lui estimé que façon pour changer ça c'est kidnapper faut vendre tout son gain fait famou décapitaliser tout son gain et puis pour lui-même pour qu'a fait ou coutaille dans comme kidnapping nan. Violence n'a passé qu'on y a en dimension supérieure côté machine à tuer tant qu'on dit là pas accéléré dimension plus grave là c'est le yo passé tout simplement yo passé tout simplement à l'infinitif côté yo tuer et yo disposer de corps. Là, tout contexte ça que n'a essayé d'écrire qui très complexe gon mot pas jamais venir c'est police sa police l'a fait comme institution qui l'a qui a occupé de questions sécurité et qui a occupé de protéger j'en ai dit c'est au moins sa mission ça passé avec le problème la police c'est un problème c'est pas un problème qui simple d'abord faut on dit que la police dans le pays a les faits li a grandi dans un contexte très particulier et très délicat quand elle est sous double égide ou bien sous double contrôle. D'abord, sous contrôle politique, de plus en plus sous contrôle politique, parce que il y a un même mécanique fonctionnement de la police, notamment dans l'affaire nomination directe de la police, là, dans l'affaire promotion pour monde de la police, là, implication des acteurs politiques dans la décision, ça, yo, et non pas à partir de règlement interne institution et de logique de fonctionnement propre institution. Ça qui déjà un premier problème dans organisation institution hein. Et deuxième contrôle c'est le contrôle international comment nous prenons pour nos forces de police un pays et pour tenir des unités spécialisées dans la police sous contrôle des ambassades et tout le monde d'accord donc comment vous un principe de modernité de l'institution policière il y aurait le principe de l'insularisation. Ça veut dire que la police a fait un travail professionnel en dehors de l'influence de quelconque acteur extérieur. Les acteurs politiques, les acteurs diplomatiques. Mais il y a une coopération entre police à travers le monde, et c'est peut-être ça d'ailleurs, il y a un organisme qui existait, qui est Interpol. Coopération, pas veut dire insularisation. Coopération, pas veut dire sous tutelle. Quel que soit, seulement pour un exemple, un problème présenté, notamment de trafic d'armes ou bien de trafic de stupes, qui impliquait collaboration forces de police canadiennes et forces de police américaines. Mon pape Jean Moué et un représentant de la police américaine rentrer venir passer l'ordre à forces de police canadiennes. Ça n'est pas possible. Ou vice versa. Bah quoi que c'est le cas en Haïti non plus. Ben, c'est connu de tous. Son vérité de polichinelle que un yo fait formation pour nous deux yo ba nous équipement trois gagner des unités qui sous contrôle des ambassades étrangères c'est connu de tous c'est pas ma bagou qui une révélation que m'a fait là et tout le monde d'accord donc à dire aux institutions comme ça est-ce que les cas vraiment jouer rôle li comme institution régalienne de protection des vies et des biens comme institution comme bras impartial, répressif de l'État. Il va pas. Mais dans le contexte, je dis, il y a des gens qui quand même salué coopération avec des unités aux États-Unis, en Colombie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que enquête ça qui a fait sous assassinat Jovenel Moïse là, capable peut-être arriver à un côté. Parce qu'en général, en Haïti, c'est l'enquête se poursuit. Au fond, pour moi-même, position ça traduit un autre problème, qui est un problème de confiance.
envers l'État haïtien, un problème de confiance envers les institutions. Et plus grave encore, un problème de confiance entre les Haïtiens. Et ça, si ce n'est pas la police américaine, l'État pour l'autre. Parce que nous pas fait nos confiance, nous croyons que nous n'avons pas menti, nous croyons que nous n'avons pas fait mettre d'âme à l'autre net aller. Et c'est précisément la raison ça qui fait que pas jamais garder un consensus entre nous. Puisque nous avons toujours anticipé que l'autre l'a fait coquin. Et dans l'anticipation qu'on ou sur que l'autre l'a fait coquin, ou même commencer à faire coquin. Mais en fait, souvent l'autre l'a fait coquin, vrai. Moi, je parle même de généralisation, ça. Il y a des cas, soit dit, c'est vrai. Mais il y a des cas, pas du tout. Puisque nous avons une espèce de paranoïa, parce que ça, nous l'avons, il valable à tous les niveaux de la vie. Hein. Il valable dans la famille, il valable dans l'église, il valable dans un fort péristyle, il valable dans le marché public, il valable dans. Il valable de tous côtés, dans l'école, tout côté. Ouais. Et là, moi, pas quoi que son bagaille pour continuer à faire promotion pour lui. Pour nous font un petit que tes camarades l'IA, puis qu'ils prêtent leur livre parce qu'elle a pété Gilles. Alors, si on dit que ça a pété Gilles vrai, bon là, on va pas suivre dans le raisonnement ça. Ouais, c'est dit, pour dire Timoun, il faut le faire attention parce que Emile, c'est Timoun qui a grandi ensemble avec dans le même quartier. Si lui-même il a l'école, l'autre là où elle pas à l'école, il faut le faire attention parce que Emile, c'est Timoun. Et puis par ouais, ça veut dire que Timoun a vu une victime doublement. D'une part, parce qu'elle n'a pas accès à un bagage que normalement le tadouin doit avoir, mais en plus parce que le regard que société a projeté sous lui fait de lui déjà un criminel en puissance. Est-ce que, dans une certaine mesure, ça n'a pas assisté là, il n'y a pas un boomerang, puisque pouvoir quitter là, t'es bail tête li comme Sim Dakadou en ligne, pour le voir s'il a détruit toute institution pour l'accumuler plus pouvoir. Or, voilà que nous révélons une situation côté, nous plonger tellement en absence d'institution, y compris une police qui pas arrivé faire travail li normalement. Voilà que ou ka rentré en dan caill un président nan chamni y a assassiné l'an état ça. D'abord moi pas sûr de prémissant, c'est-à-dire que pouvoir suspend aller dans même direction puisque on dit encore chef d'état a mouri mais pouvoir continuer à aller dans même direction. C'est-à-dire m'pa aucun changement qui vient dans politique publique yo qui t'a vle faire moun quoi que processus de désinstitutionnalisation yo li suspend et comme de raison. Nous trouvons une situation côté monde plus quoi que c'est des unités de police étrangères qui viennent aider nous résoudre le problème, non plutôt que un renforcement de capacité de propre institution panouyo pour faire le travail. D'une part. D'autre part, à la décharge partielle de l'État haïtien, processus de institutionnalisation dans le contexte post-86, ce n'est pas l'État haïtien seulement qui fait. L'un acte mené par ça, faut nous dire, il faut nous dire courage pour nous dire c'est l'international qui partit avec. On postule que l'État haïtien a trop de monde qui corrompu en donne. Est-ce que le prétexte que y a trop de monde qui corrompu en donne l'État haïtien, il y a un effort qui fait pour dédoubler l'administration publique, pour dédoubler toute institution publique que nous gagnons, parce que c'est à travers institutions parallèles à eux, qui pourraient prendre nos organisations internationales, ONG, etc., qui prennent le dispositif opératoire international là, pour canaliser. Toute forme d'aide devra le bail l'État haïtien. Tichèze bas. Robertson Edouard, comme le arrivé, pour nous prendre une pause, en nous prenons retourner effectivement pour nous développer sous question internationale. Tichèze bas sous Alter Radio, n'a pour une pause, n'a pour retourner tout à l'heure. Tichèze bas. Tichèze bas. We'll be right back.
vos oreilles sont précieuses, cieuses, cieuses, cieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Ba sou Alter Radio, se Godson Pierre ki nan mikouwa avèk nou jodi an Robertson Edouard, se sociolog e chercheur asosye nan Université Laval. Se un regard sou konjonktuen kote nan fè Alevini partan de asasina Jovenel Moïse lan pou pose tout un seri de problem ki se de problem kousyal ke nou genyen nan sosyete haisyen. E nou tap pale de internasyonal la juste avan nou proposan, men se sou un kestyon ke mte lanse ki mande eske situasyon ke nasiste a li pa rezultat an form de boomerang. Sa mre le boomerang lan, se ke moun ki mette an oev tout mekanism ke nou wè, ke nou tap pale de dezinstitutionalizasyon, krasé institisyon yo, voilà ke l viktim de li tout, en kelke sort. Se sa ke m vle di? Oui, ben se, nan repons mwen mte koman se vle montre ke se pa li mette l'an plas. Y se te jist yon moun ki ap ekzekute ou mbaga ekite la avan, e ki probableman pral la, ki kontinue la apre el, e ki probableman ka kontinue si moun ou pa deside chanje el. Mwen te vle rappele nan konteks post-86an, kote prosesus kras institusyon sa soti. Li soti nou mefians par rapport a personel politik PIA, notaman tout moun ki nan de pos de responsabilite ou nivou de l'Etat haïtien, bon mefians sou pretext ke yon tout korompu. Ansuit, goun dezyem postula ki se gen de seryo problem de kompetans e de konesans la kay moun zawe ki nan de pos de responsabilite. Alors, pou rezon sa, internasyonal a organize ed de la bay PIA a traver de lot mekanism. E lot mekanism sa yo, toujou pati sou prinsip ke l'Etat pa gen kapasite pou l'depanse, ke l'Etat pa gen kapasite pou l'rende kont, ke l'Etat, etc. Li met en plas bra sa yo, ki se de bra ekzekutif, ONG, Organizasyon Internasyonal, Ajans de Nasyons Unye, etc. E, institisyon sa yo, mda di bra sa yo, yo, tout sa yo fe, yo dekuple ou dedouble l'Etat haïtien, ou lye ke renforse l'Etat haïtien, l'Etat haïtien vin nan situasyon de dependans par rapport a yo. E se sa ki fe ke prosesus nan institisyon nan krasi institisyon, l'ale osi loin ke li vive jodi ya. Et en même temps, en parlant de l'international, de la responsabilité de l'international, on montre qu'il y a trois moments côté que yo prend des responsabilités pour faire une réforme de la sécurité en Haïti ou bien pour rentrer la donne. Et je dis, ah, c'est échec yotou que n'a constaté. Ah, précisément. Plus que c'est échec yotou. Mwen mwen pase jodi ya, lè arrive pou nou pose kèsyon responsabilite internasyonal la nan sa kap pase nan peyi an. Ki sa ba el ate ou depa? Ba el ase te, nou pa kapab nou men. A y se pa kapab, nou tro kon ou pi, nou de tout kalite defo sou la te. Alors yo vin montre nou. Yo vin von kote, yo di, ah, nou son ben malin, nou son ben maron, nou pa vla pren vri. Yo di, ak fel an plas nou. E pi yo di nou, kope la. E pi, ya pase nou lòd pou n'exekute. Men jodi ya, si yo komande, mwen di jodi ya, se di yo komon de plus ke 34 an. Se nap gade, sante ka rele politik ou bien program de reform du sektor de la sekurite nan peyi an. Depi 1994. Ou premier tentative yi komanse avek OEA, avek la MICIVI, ou deuxième tentative ki alo pa deuxième, ou seri l'autre tentative ki pase par le Conseil de Sécurité des Nations Unies avec ensemble de missions des Nations Unies que nous connaissons. Mais je dis à la résultat que nous avons
nous pas qu'à dire que yo pas de responsabilité là-dedans. Au contraire, si le résultat était positif, je t'apprends à leur compte. Mais si le résultat est négatif, tout, il faut du courage pour dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et avec ça, il y a un facteur qui doit suivre. Et c'est bagaille ça pour nous comprendre. Et c'est pour moi-même, contexte que nous y est là, qui montre à clé comment la politique de la mort l'y opérait. Événement ça qui c'est le mort président décrié impopulaire Jovenel Moïse. Ouvrir une brèche pour changer le rapport international là, gagné avec le pays. Hein. Puisque le type de rapport que le développer avec le pays hein, fait que toute institution dans le pays a crasé. Le type de rapport que le développer avec le pays hein, fait que pas gagné la vie pour haïtien dans le pays. Hein. Ah, donc, cela veut dire que c'est vrai que m'étonné tout à l'heure, on dit, bon, enfin, en forme générique, que politique, communauté internationale, la météo, yo contribué ou bien yo rentré, yo promouvoir même des institutionnalisations. Mais, yo même tout, yo toujours parlé des trois pouvoirs de l'État. Or, voilà que nous sans parlement, que et la justice plate à terre, et je vous dis à même exécutif là, y compris au pire haut niveau, les pratiquement désarticulé totalement. Et ça, pour où, communauté internationale là, responsabilité là dans tout, dans le fait que par exemple nous avons un parlement, dans le fait que conseil supérieur du pouvoir judiciaire pas installé, etc. On ne peut pas dédouaner responsabilité acteur haïtien. Yo. Au contraire. Moi, je pensais que ça, son secret polichinelle, je pensais que tout le monde est d'accord sur ça. Que nous descendons pantalon, non. Ça n'a pas gagné une discussion là-dedans. Et c'est précisément parce que ça arrivait qui fait que le monde qui était au timon des affaires de l'État, précisément parce que ça arrivait que nous-mêmes, nous n'avons pas bien de comportement exemplaire, qui fait que toute institution dans le pays en lambeau. Ça n'a pas de doute, non ça. Responsabilité par nous, c'est une responsabilité avérée. Mais nous pas qu'à arrêter là. Responsabilité par nous, hein, ma connaît, avec responsabilité de monde, qui a conseillé nous à tous les niveaux. Nous choisi monde qui vient dans notre pays. Hein. Nous choisi monde qui supposé nous être le poste clé, poste stratégique de décision. Nous avons décidé pour nous qui ça doit priorité nous. Nous avons défini pour nous toutes mesures pour nous mettre en place de chaque priorité nous choisissons. Là, on finit. Nous avons mis en place un mécanisme de suivi et d'évaluation. Mais c'est un coup de pyramide. Non. On ne peut pas faire un examen, ou corriger un examen, ou faire un résultat pour vous le dire, c'est moins cloré. Donc, moi, je pense que la responsabilité de la communauté internationale, là, nous supposons poser, et nous-mêmes, je veux croire que quelque part, entre eux-mêmes, ils opposent tout. Seulement, ils ont parlé facture qui accompagne la responsabilité. Ça. Puisque, je vous dis, nous ne sommes pas capables, mes amis, qu'un bon pays, un état ça, pendant aussi longtemps, et puis pour ne pas perdre un peu de notre humanité. Ça fait pour moi-même, je me dis que l'événement, mon président, avec le contexte que nous avons là, on vous brèche. Moi-même, son appel à un éveil de conscience de mon zèle. Pour nous, nous n'avons pas qu'à dépenser toute quantité d'argent ça, dans le pays. Ça. Nous n'avons pas capables, là, depuis que tout le temps ça, dans le pays. Ça. Et puis, pour c'est ça, nous avons comme résultat. Mais là, justement, côté de Rivière, il faut mettre les doigts sous une contradiction. Parce que pendant ou cerner responsabilité internationale là, comme ça, l'échec qui gagnait, un échec multiple qui gagnait en Haïti, ou dit-on que nous ne pouvons pas résoudre le problème gangland sans international là? Ben, c'est juste un principe de réalité. Alors, faut me dire honnêtement, moi, je suis devant un dilemme. Quand il y a deux principes, quoi là dedans, mais qui étaient entrés en contradiction. Au premier principe, qui sont les principes nationalistes, qui voulaient que botte blanc pas doit fouler terre de saline encore. Et au deuxième principe, qui sont les principes humanistes,
qui dit que pas grand rien qui vaut la vie au monde. L'homme chita m'analyser conjoncture que nous la donne. Moi pas ouais que nous gagne aucun moyen au niveau national pour toutes raisons sont évoquées au problème confiance, problème faiblesse institution, donc faiblesse la police avec faiblesse ça yo dit qu'il a mais pas aucun moyen au niveau local pour nous résoudre problème gang non pas nous-mêmes. Parce que, d'abord, il y a une perte de confiance de citoyens d'une manière générale dans l'action publique haïtienne. Et ensuite, parce que Gagnon vivait au niveau que pas aucune force publique qui a opposé une force dissuasive. Or, moi-même, c'est 100 et au binet 100 besoin couler, qui besoin suspendre couler. Qui vient, nous arrivons au point pour au binet 100 à suspendre couler. Moi, préférer faire à court. À conviction dans principe nationaliste pour me bypasser principe humaniste. Et ça fait que moi recommander aux forces de maintien de la paix qui a un rôle précisément pour jouer rôle de force dissuasive pour les âmes suspendues chanter. Parce que le rapport de force est tellement disproportionnel que l'intelligence moun ki nan gang yo a fait on comprendre que pas la bataille. Et après ça, on va commencer à poser un problème de fond. Yo. Mais comme ça a un droit que les dispositions transitoires. Mais est-ce que par un piège là, tout, puisque Jean, même on t'a décrit, il nous fait expérience ça plusieurs fois, est-ce que nous pas qu'à mettre l'espoir sur une série de. Enfin, de mise en place qui pourra le faire, et puis. Il n'y a pas poté fouille et que nous trouvons nous un problème qui est encore beaucoup plus compliqué. Est-ce que donc faut nous pas imaginer d'autres voies possibles? Si il y a un monde qui a une meilleure proposition, je suis preneur. Tout ça qui est important pour moi-même, ça qui est important pour moi, c'est pas que nous gagnons un débarquement dans notre force, mais soit dit tout à l'heure. Si bon l'autre solution, je préfère. Parce que bon, je m'a tant des monde qui a parlé qui dit que on mon armée un groupe gang qui gagne zam lan men yo zam nan capable servir parce que il gagne munition si gagne contrôle normal qui fait au niveau la douane et si gagne responsabilité qui capable prendre ça pour fermer robinet munition hein, à ce moment zam qui lan men moun nan pas vaut grand chose c'est ça que m'a dit certains spécialistes a dit. Il ça comme un détail. M'a répondre, on nous partit, c'est m'a fait un raisonnement par l'absurde. On nous dit mounza gen raison. Sauf que si on stérilise port, aéroport, frontière nous, on vivait vrai gen contrôle et puis pour pas gagner possibilité pour trafic d'armes et de munitions en fait. Ou pas éliminer du même coup. Munitions à examiner dans mes mounis aujourd'hui. Or, pour moi-même, il est nécessaire pour s'en suspendre couler tout de suite. Combien de monde qui pourrait mourir à moment que nous sommes là, à un moment, balle mounza a fini. D'abord, est-ce que vous avez évaluation mounza a fait de quantité de balle mounza a gagné? De quantité de munitions a gagné? Donc, cela veut dire que faut une bonne connaissance du phénomène tout. Précisément. Et l'élément que nous gagnons, laissez-nous quoi? Que dans le moment que nous avons parlé là, monsieur yo très bien pourvu, très bien approvisionné. Et yo gagné des moyens, c'est-à-dire réserve, qui peuvent permettre au Québec pendant une bonne période de temps. Est-ce que toute période de temps, ça n'a pas quitté le monde continue à mourir? C'est ça la question. Moi-même, je fais bien, hein, on est bouché à l'ordinateur, ou à réfléchir, et puis, ou reprendre, ou dans les nuages, ou reprendre, ou à venir avec les plus grands principes du monde, ou à venir avec les meilleures théories du monde. Je veux bien. Sauf que pendant qu'on fait ça, Matissan, mon a mouri. Pendant qu'on fait ça, mon qui était Kayo Fotamara, il est toujours à bois. Pendant qu'on fait ça, la guerre n'a pas suspendu dans Cité Soleil. Pendant qu'on fait ça, Belay, toujours chaud, Badelma toujours chaud. Moi-même, préoccupation PAM, c'est que bagaille ça suspend. C'est ça que préoccupation PAM.
préoccupation pas c'est sans ça yo suspend couler parce que gars c'est sans qui couler. L'en poser question ça ou bon élément qu'on vient avec que moi-même moi souligner comme un aspect très grave l'en ça n'a pas l'air c'est m'a dit le j'ai écrit amplification du pouvoir de la mafia au sommet de l'État. Ça, ça veut dire. Mais c'est évident, oui. Un groupe 28 nègres sort à l'étranger. C'est même pas des nationaux. Sort à l'étranger. Passer à travers plusieurs frontières. Traverser, rentrer dans le pays. Jouer machine, zam, munitions. Rentrer dans le pays pendant plusieurs semaines dans quelques cas, plusieurs mois dans d'autres cas. Rive pénétrer côté président hier. Rive pénétrer dans chambre président. L'un va blessé, l'un agent sécurité va blessé, comment on les a. Deuxième bagaille là, mode opératoire yo. C'est des modes opératoires militaires ou paramilitaires ou mafieux. Tout spécialiste qui connaît bah ça Abdouli. Troisième bagaille là, et c'est là-bas elle a vu une pima au clan. Le traitement de l'affaire. Nous rentrer nos espèces de labyrinthe. Chaque jour, son novella. Chaque jour, il raconte une histoire. Où t'es mon petit bébé dormi. Chaque jour, une histoire différente. Chaque jour, on dit une histoire différente. Là, on parle de l'enquête que tu as dit qu'a fait là. Précisément. Plus information à véhiculer, plus piste à brouiller. Donc, qui s'ennuie là? On n'a pas besoin de faire un dessin. Ou un an qui soit prêt. Si le président de la République, là, qui gagne trois unités spécialisées qui ont sécurité, lui veut qu'à victime, jeune victime, non, lui-même à madame, dis-moi, ce n'est pas un coup d'état classique pour dire c'est Macron et les forces armées d'Haïti qui décident, bon, ils font coup. Ce n'est pas un coup d'état classique côté où gagne un directoire de la police nationale qui dit que le président mène le pays en mauvaise direction et décide à fond coup. Nous pas du tout dans le cas de figure ça. Dans le cas de figure, un groupe monde qui est assassiné pour des raisons jusqu'à présent inavouées et inavouables au président. Comment ça relève? Mais pendant qu'on dit ça là, m'a réfléchi bien pour moi que à plusieurs reprises dans l'histoire, Haïti c'est une sorte de laboratoire. Il y a de bagailles, il y a de phénomènes qui viennent paraître dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, qui initient en façon bien l'autre en Haïti. Et là, ça passe là avec un président qui a assassiné l'enchamné et la condition que nous avons décrit là, probablement ça t'a doit inquiéter certains autres présidents en région 1, vu que Jean me m'a décrit et au deal que gon forme de mafia qui vient plus haut passer pouvoir politique que n'a gardé et qui a décidé qui ça fait de un président pas cette fois avec un coup d'état classique mais au cas détruit moun directement et on soit. Eh bien, c'est exactement ça, danger à venir là. Danger à, c'est que pour moi-même, le mon président a montré clair que le groupe qui décide que c'est eux qui ont le pouvoir dans le pays, hein, qu'on y a montré nous à clair que c'est eux qui sont des faiseurs de loi. Longtemps, ils étaient occupés de postes de responsabilité pour business sur le marché. Je dis à eux, ça va suffire. Je dis à eux, c'est eux qui sont des faiseurs de loi. Quel que soit le monde, pour vivre dans une série de postes de responsabilité, c'est eux pour mettre. Et si on met au bout un bagarre ou pas faire, mais ça capri vous. Et maintenant, le président Abinader en République Dominicaine renforcé sécurité. Ceci pour un peu pour prendre un exemple et qui montrait que capable son message qui voyait bah, toute région hein, et pour dire attention, gon l'autre forme, bah, il va prendre là. Oui, probablement. Probablement. Bon, le Bab Kamal ouvre un différent. Faut bien être bon à la trompe. Alors, ouais. Nous avons des derniers parties émission 1 et où dit là, bon, nous déjà la donne pratiquement, peut-être que vous pas dit, mais une transition inévitable. Mais nous déjà dans la transition, c'est exactement ça. Ça ne disait pas, moi, c'est inévitable, mais déjà dans la transition. Mm-hmm. Pour le moment, c'est une transition sans le nom. Une transition qui ne dit pas son nom, même déjà nos transitions.
Sauf que façon transition ça a fait là, pour moi problématique. Gen ou espèce de hâte pour organiser l'élection que moi même trouvais qui est aussi dangereuse que situation nous y a même et que l'on mon président. Si nous organisons une élection dans le contexte que nous y a, une élection bouille vidée, tout ça nous va le faire, exactement en cours, professeur Sauveur Pierre-Étienne écrit, nous prenons le bas, on prime à la violence, nous prenons le bas, on prime à l'insécurité, nous prenons le bas, on prime à la corruption. Aussi simple que ça. Puisque dans le moment où il est là, contexte là, les dés sont piégés. Jouet là, pipé. Donc, il faut nous prendre temps nous pour nous mettre l'ordre. Et puis, pour m'utiliser l'image, on image grecque, c'est les écuries d'Ogias. Côté à sale, 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 sale. Côté à senti, senti, senti. Nous pas qu'à rentrer pour nous prendre circuler là dans nous comme ça. Tout l'espace politique mérite clean, mérite nettoyer. Et le mort président Moïse offre une possibilité ça, dans la mesure où, à l'exception des 10 sénateurs qui restent à la chambre du Sénat, par été moun qui est élu, donc par aucun moun qui est capable à le cacher en bas humanité. Ça veut dire nous, nous contexte assez particulier, côté vraiment, si nous décidons de poursuivre tout le monde qui commet crime dans le pays, si nous décidons de poursuivre tout le monde qui est impliqué dans la pratique de corruption dans le pays, si nous décidons de réellement remembrer le système judiciaire, là, c'est le moment. Et si nous décidons de rétablir confiance population dans l'État, là, c'est le moment. Malheureusement, c'est dans la fenêtre ça, qui sont une fenêtre en dehors du cadre constitutionnel que nous avons fait, pour un retour programmé et soutenable à l'ordre constitutionnel. Et moi évoquer dans cet article que m'écrivant quelles conditions qui nécessaires pour sa fête. Et une là d'ailleurs c'est épuration de l'espace politique. Exactement, c'est ça. Sans entendre par épuration de l'espace politique. Exactement ça me dit à l'heure là. Ça veut dire que une situation que tout le monde qui est soupçon sur eux enquête faite normalement. Impartial. Et qui trouvait au champ politique là? Ah, précisément, surtout eux-mêmes. Puisque je dis, pas gagné immunité. Donc, on monde qui te gagné une accusation de kidnapping, il y a fait enquête sur. On monde qui te gagné accusation de trafic de stupéfiants, il y a fait enquête sur. On monde qui te gagné accusation de trafic d'armes, il y a fait enquête et de munitions, il y a fait enquête sur. Au monde qui a accusation d'assassinat, il y a fait enquête sur. Au monde qui a accusation de complicité ou bien de soutien à des crimes de sang dans le pays, il y a fait enquête sur. Et le résultat, bah, ça, prend le fait que, après, évidemment, comme ça dit, nous fermons le robinet de sang. Ça veut dire nous retirer la capacité de nuisance tout le monde. Et m'a rappelé, l'homme parle de retirer capacité de nuisance tout, notamment avec affaire désarmement, c'est pas désarmement malheureux seulement, non, c'est pas désarmement dans ghetto seulement, non, désarmement tout côté dans le pays, en bas ou en haut. Donc, une fois qu'on retire ça, on ancien président qui est le dandel, retire dandel tout, mon cher, nous tout pas le manger maintenant. Et si maintenant nous dû, nous cherchons ensemble une façon. Ou comprenne, n'a pas cherché un baron ou pilon, n'a pas cherché un gens, ou comprenne pour nous presser, pour nous peser banane, pour nous peser banane, même si son type glossel n'a des liés, pour nous manger ensemble. Mais pas de monde qui a besoin d'un derrière et puis l'autre pas de. Mais l'ensemble, disons, dans un mérité, pour nous finir, sous un aspect spécifique qui c'est justement question des armements, et la dimension en parler là, est-ce que ça faisable? Est-ce que gain côté ça fait déjà et que le réussit parce que si ça t'est réussi par exemple en Amérique centrale là pas ta gain ratio ou bien dans certaines zones dans Amérique latine là côté nous est gang yo rete là et formé de gros réseaux ça pas t'a existé c'est un raisonnement toujours gain difficulté avec on va l'expliquer pour qui ça parce que comparaison n'est pas raison le Nations Unies rentre en Haïti une erreur qui ont été posés, qui sont des erreurs de diagnostic. En plus, ils ont fait une erreur d'approche dans l'affaire des armements. Ils ont rentré dans l'affaire acheter des armes ou bien bailler l'argent pour les gens qui quittent les gangs. Et non, d'après eux-mêmes, c'est ça que tu as pris la solution.
Mais rapidement, tu as rendu compte que le programme DDR classique, j'ai autoconcevé, voilà, il n'est pas appliqué en Haïti. Mais ça va empêcher les Nations Unies, et là, par exemple, il y a des gens qui ont ça. C'est en Haïti, les Nations Unies décident de corriger l'approche classique DDR là, pour venir avec CVR. Mais ils font, ça veut dire qu'ils sont capables. Prends conscience que bon bagage qui pas marché parce que nous pas de bon pays qu'en guerre. Nous pas une espèce de conflit de ethnie avec une autre. Nous gagnons des conflits internes qui sont extrêmement complexes. Et résolution conflit interne extrêmement complexe, ça n'est pas qu'à faire avec signature d'entente entre les belligérants. Au programme DDR classique, c'était sous Salte Chita. Ils arrivaient où elle pas marché. Et puis, ils arrivaient avec une solution alternative côté, ils ont passé de DDR à CVR. Donc si on a fait ça, pour qui ça fait, il n'est pas possible, je dis à la pour nous dire, approche de désarmement classique que nous connaissons pas marché, on nous garde qui approche. Alors, à faire CVR, là, je vous fais là avec le programme Cash Forward, des bails comme ça, il n'y a pas marché pour dire tu encore une fois. On s'est trompé avec l'intelligence locale et nationale, parce que c'est eux qui comprennent le contexte. Hein? Pour ne pas aller tant qu'Olivier de Sardin, presque partout sur la planète aujourd'hui, on vit dans la coopération internationale, la revanche des contextes, plus on est dans le contexte, non, plus on va faire par bas résultat. Mm-hmm. Et donc, on essaie de comprendre le contexte et on vient avec une solution adaptée et non pas des modèles voyageurs et non pas des programmes one size fits all pour tout le monde qui marche de tous côtés indépendamment de nous. Pas comme ça. Nous comprenons le contexte, non? Nous gardons un jeu et nous cherchons une solution qui est adaptée à le contexte en fonction d'un jeu. Moi-même, moi, quoi ça possible? Peut-être à tort, même quoi est possible? Et plutôt quoi ça, que pour me dire, moi, nous collons un principe qui n'est pas gagné, qui seulement nous a dit, on va le théorique, et puis, pour ça, on continue à couler. Tout ça, on coule. Tichèze bas. Eh bien, sous Tichèze bas, je dis, hein, c'était docteur en sociologie, Robertson Edouard, lycée professeur dans l'Université Laval, en Québec, Canada. Il écrit plusieurs livres sous affaire violence en Haïti, parmi eux, violence et ordre social en Haïti. Nous dit tout auditeur avec auditrice qui tape côté Tichèze bas, merci en pile. Nan mikou an c'est Godson Pierre. Na ouais, semaine prochaine. Tichèze bas. Tichèze bas. Yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze bas. 106.1 FM. Oui, maman. Alter Radio, il de fouet dans l'affaire radio. C'est ce qu'on a dit ça. Yeah.